chien, chien. Oui. Non, 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 pas trop. Tu vas tomber. Là, viens ici. Là, là. Ne fais pas pipi sur la valise. Pas pipi sur la valise. Non, non, non. Ah. Ah, là, là. Oui, bien. Allez, va te coucher là-bas. Ah, là, là, ici. Là, 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 ici. Là, là. Oh là là, hé, hey, bonjour les enfants. Vous allez bien? Est-ce que vous savez comment que ce que je m'appelle moi? Qui c'est qui vous a dit? Ah, c'est marqué sur la valise, oui. Alors mon nom c'est Auguste. Vous savez répéter à trois? Un, deux, trois. C'est pas mal, mais vous pouvez faire mieux. Un, deux, trois. Alors vous vous levez et à trois on y va. Allez debout. Un, deux, trois. Ça fait du bien. Vous pouvez vous asseoir. Oh, ça fait du bien. Voilà. Alors, avant de commencer le steak packle, avant de commencer le steak packle. C'est pas comme ça qu'on dit. Ah, le spectacle, d'accord. Alors, avant le steak pack, je vais donner les règles. Est-ce que je peux retirer mon beau chapeau? Comme ça, vous verrez mes longs cheveux, oui? Oh là là. Alors, les règles du steak pack. Les règles. Première règle, quand quelqu'un se penche comme ça, on applaudit. Ça peut être Auguste ou un d'entre vous. S'il fait comme ça, quand je fais comme ça, c'est bien. Et puis c'est moi qui choisis, c'est pas vous, d'accord? Donc si vous voulez venir devant, faut surtout pas lever la main. Il faut regarder les devants comme ça, être avec un grand sourire. Ok. Vous vous souvenez comment je m'appelle? Mais ça fait du bien. Allez, merci beaucoup. Je vous ai apporté ma valise magique. Là-dedans, je suis enrubé un petit peu, c'est une valise magique. Vous voulez voir ce qu'il y a dans la valise magique? Ok, toujours la même chose, on compte jusqu'à 3. Hein? Et qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien dedans. Vous savez pourquoi? C'est ma valise à problème. Quand j'ai des problèmes avec la voisine, ou quand j'ai des problèmes avec le voisin, ou quand j'arrive pas à me rappeler les calculs, ça c'est difficile. Ou le français, ou l'arabe, c'est difficile. Ou quand ça va pas à la maison, tous les problèmes, je les mets dans ma valise. Tout ce qui me fait mal au cœur, dans la valise. Vous avez des problèmes, mettez-les dans ma valise maintenant. Allez, jetez. Oh là là. Ça, c'est trop lourd pour Auguste, hein? Moi, je suis pas le bon Dieu. Alors, je vais vous donner ma solution, parce que c'est trop lourd pour moi. Alors, j'ouvre la valise comme ça, et puis je fais, hop là! C'est pour toi, Dieu! C'est pour ça que j'ai toujours le sourire. Parce que moi, quand je lui donne mes problèmes, je ne vais pas les rechercher. Si vous voulez aller rechercher ce que vous avez mis dans la valise, vous allez après le steak pack, là, mais pas maintenant. Merci beaucoup. Alors, ça va? Vous me comprenez bien? Oui, je sais, je parle pas très bien le français. Alors,
Je vais demander à quelqu'un de venir m'aider, mais je ne veux pas de main levée. Alors toi, tu n'as pas levé la main, tu viens. Viens vite, mon grand garçon. Bonjour, monsieur. Tu vas bien? Oui. Comment est-ce que tu t'appelles? Mohamed, comment vas-tu? Bien, bien fort. Tu as bien joué à la récréation. Tu sais que tu es un artiste? Tu es un artiste. Regarde. Tu vois, c'est formidable. Tout à l'heure, quand tu retournes en classe, tu fais comme ça et tout le monde va applaudir. Alors, on va faire de la magie tous les deux. Regarde. Attention. Attention. Tu vois, ça, c'est une boîte magique. Mets ta main dedans. Oh, c'est spécial, ça. Tu vois, c'est spécial. Ça, c'est pour les garçons. Et ça, c'est pour les filles. Ça fait le bracelet. Alors, c'est une boîte magique. Vous regardez bien. Oh, c'est comme à la télé. Vision. OK. Regarde bien. Regarde, c'est formidable. Rien dans la boîte, rien dans la main. Et on va ici chercher dans la boîte et on trouve une banane. Attendez, si je vais, je peux faire plus fort. Je vais dans la boîte avec ma banane et je tords deux bananes. Tu as vu comment j'ai fait? Tu crois que tu pourrais faire ça toi aussi, aller chercher des bananes ici dedans? Alors attention, tu vas essayer, vas-y, va chercher dans la boîte magique. Hé, hey, chatouille! Ah, elle a trouvé une banane! Et comment tu fais ça toi? Va voir rechercher l'autre banane. C'est la boîte qui me chatouille. Alors, très bien? Tu ne trouves pas? Ah, il a trouvé deux bananes! Mais il est formidable! Et comment tu fais ça, toi? Il est formidable. Regardez, parce qu'il n'y a rien ici, il n'y a rien. On va chercher, et quand on sort, qu'est-ce qu'on voit? Une banane. OK. Merci beaucoup, tu peux descendre. Alors, maintenant, question pour voir si vous avez bien compris. Vous avez compris le truc? Oui! Vous avez vu ce que c'est que la magie, alors? C'est que des trucs pour rigoler. Mais, aujourd'hui, vous allez voir des choses très spéciales. Mais certains, vous allez deviner et vous dites rien. Gardez le secret, le secret, le secret, le secret. Alors, j'aimerais bien que mademoiselle qui est ici, voilà, ou mademoiselle, oui, avec les jolis cheveux, qui vient ici. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des longs cheveux. Eh oui, ils sont beaux, hein. Voilà, mademoiselle, viens vite ici. On va faire de la magie tous les deux, tu viens là. Oui, viens là, voilà. Alors, tu es très jolie, tu sais. Alors, comment tu t'appelles? Gracia. Tu sais que tu es l'artiste? Tu voudrais ramasser l'élastique qui est là? Oui, t'as vu ça, ça va? Alors, regarde bien. Je vais te donner ici une petite cordelette. Voilà, mademoiselle. Et puis une deuxième. Et on les montre tous les trois. Tu montres bien. Est-ce qu'elles ont la même taille? Non. Est-ce que ça a la même longueur? Non. Non. Bon, alors. Attention, regardez bien, parce que ça c'est magique. Tu veux te mettre ici, tu fais un gras sourire. Alors, ça c'est un petit garçon, une petite fille. OK. Ça ici, c'est un adolescent, une adolescente. Les adolescents, ce sont des enfants qui ont grandi. Ils ont la voix qui bouge comme ça, et les boutons sur le nez. Bah, faut pas en parler. Et puis ça, ce sont les adultes, les papas, maman. Ce sont des adolescents qui ont aussi grandi. Normalement, la voix s'est stabilisée. Et ils n'ont plus de boutons sur le nez. Et maintenant, ils sont très sages et très intelligents. Si je demande à ce petit garçon, cette petite fille, est-ce que tu crois que Dieu, là-haut, il t'aime? Vous savez ce qu'ils disent, les enfants? Oui, j'en sais rien du tout, je m'arrête quand je suis plus grand! Bon, je vais vers les adolescents, vous savez, ils ont la casquette de côté comme ça coule. Dis, est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui t'aime là-haut, là-haut, et me regarde? J'en sais rien du tout, et il fait sauter son bouton. Bah.
Et quand je vais vers les papas-maman et je leur dis, est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui vous aime là-haut? Les papas-maman, ils me disent, oh monsieur, si seulement on était resté des enfants. Alors Dieu, il aime les enfants, les adolescents ou les adultes? On pourrait se poser la question. On va regarder. On va mettre ici les enfants. On met ici les adolescents. On met ici les papas-maman et tu vas souffler. Souffle. Waouh, regarde-moi ça. Ici, ce sont les enfants. Ici, vous avez les adolescents. Et puis ici, vous avez les papas-maman. Comment ça se fait? Ça a la même taille maintenant? Mais on n'a rien vu tout à l'heure. Et regardez bien, si je mets ici les parents et puis les adolescents et les enfants, ils ont tous la même taille. Mais c'est pas possible. Alors, mademoiselle, tu vas souffler sur ce nœud-là et tu tends ta main. Tu souffles et tu tends, donne-moi ta main et tu prends le petit garçon, la petite fille. Voilà. Et puis ici, tu vas souffler de nouveau, comme ça. Voilà. Oui, tu peux prendre celui-là si tu veux. Oh, tu as l'adolescent. Et puis le papa-maman, on les montre bien comme il faut. Et voilà. Merci beaucoup. Tu peux aller t'asseoir. Merci. Parce que Dieu nous aime tous très fort. Qu'on soit des grands, des petits, des gros ou des maigres. Et on applaudit. Merci beaucoup. Oui, c'est génial. Ah, aïe, 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 aïe. Ah, c'est vrai, il faut que tu sortes. Mon petit copain. Ça va, Titi? Tu peux danser pour nous? Allez, viens là, viens là, viens ici. Viens ici, là, ici. Ici, Titi, là. Viens. C'est bien, bravo! Non, tu vas tomber, tu vas tomber, viens ici, viens ici. Voilà. Allez, danse encore. Pas seulement avec un pied, deux pieds. Voilà. Ouh, oh là. Ouh. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Attends, viens vite ici là. Bon. Allez, maintenant tu dis au revoir à tout le monde et tu vas dans la boîte. Hein. Tu vas dans la boîte à Auguste, ça tu vas là? Ici, viens, viens ici, viens, cri-cri, viens, viens, ouh, viens ici, là. Voilà, tu le mets dans la boîte, comme ça, et tu dis au revoir, oui, au revoir, c'est bien. Allez, voilà. Ah non, non, mais, mets-toi à tout entier, comme ça. Non, cri-cri, s'il te plaît, ah, oh. Ici, dedans, comme ça, ah, non, voilà, ouh, merci beaucoup. Oh là là, Kiki. Alors là, je vais avoir besoin de tout le monde parce que il faut qu'on va faire un tour de magie très spécial. Allez, vous connaissez les couleurs? Oui. Ah, c'est bien parce que j'ai toujours des problèmes avec les couleurs. Moi. Alors, ça, c'est un carton rouge. Bon, il est blanc. Ah oui, c'est vrai. Par contre, c'est blanc. C'est l'autre qui est rouge. C'est ça. Et puis ça. Ça, c'est blanc, alors. Alors, c'est génial, c'est magique. Je le mets là-dedans et ça va changer de couleur. Regardez à trois. Un, deux, trois. C'est pas possible. Ah, je me suis trompé de couleur. C'est pas grave. On prend. Ça, c'est quelle couleur? Alors, regardez, c'est magique. Je le mets là-dedans. Et puis, un, deux, trois, et... Aïe, 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 aïe. Ah, mais je sais pourquoi. C'est, j'ai besoin de votre aide. C'est quelle couleur, ça? Ok. Alors là, c'est vous qui allez souffler, d'accord? On souffle à trois. Un, deux, trois. Et comment vous faites? Pourquoi ça marche avec vous et pas avec moi? Oh là 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 là. Et ça, c'est quelle couleur, alors? Aïe, aïe, aïe. Bon, on essaie de nouveau. Vous soufflez à trois. Un, deux, trois. Ça marche pas? Ah, mais attendez. C'est vrai, vous avez pas bien soufflé. Voilà, on y va à trois. Comme il faut. Un, deux, trois. Ah, c'est pas mal. Ok.
Alors, et là, comment ça va aller? Et ça, c'est quelle couleur, alors? On y va avec le vert? 1, 2, 3. Mais comment vous faites? C'est pas possible! Ça marche toujours avec vous et pas avec moi! Oh, mais c'est vrai, ça! Et le carton, il y a toujours rien dedans. Alors, on va voir. Vous allez faire de la magie, on va voir si ça fonctionne. On y va à 3. 1, 2, 3. Ça marche? Non! Et si, soufflez encore. Encore. Ouais! Merci beaucoup! Ouais! C'est génial! Aïe! Celui qui est derrière. Voilà, oui, toi. Allez, hop. Allez, Tony, dépêche-toi. C'est Tony, c'est ça? C'est Georges, dépêche-toi. Allez, on y va. Ah. Bonjour monsieur, comment tu t'appelles? John, viens ici alors, non. Tu sais que tu es un artiste. Regarde ça, franchement, en avant, tu vas voir. Ouais! Alors, je prends mon chapeau, je mets la bouteille ici dans le chapeau, et je mets le chapeau ici parce qu'on va faire quelque chose de très spécial. Tu prends le sac ici, regarde, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Essaie de ne pas trop l'animer, on l'ouvre comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien. Bon, ok, c'est bien. On va mettre la bouteille dedans. Et maintenant, je vais descendre dans le public. Et quelqu'un va faire disparaître la bouteille. J'arrive. Mademoiselle, tu pourrais souffler dans la bouteille? Est-ce que ça a disparu, les gars? Ah, il y a un problème. Madame, elle va faire disparaître la bouteille. Madame, vous soufflez très fort. Voilà. Est-ce que ça a disparu? Ça n'a pas disparu, mais c'est une catastrophe! Aïe, attendez! On va demander à notre ami Jade, lui il va souffler. Lui c'est un magicien. Regardez, tu souffles. Mais comment tu fais? Tu fais disparaître toutes les bouteilles comme ça, toi? Mais c'est extraordinaire! Il est formidable! Oh là 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 là! Parce que vous savez, la bouteille, elle est là! Elle est là, la bouteille! T'as fait quoi? T'as soufflé vraiment trop fort! Mais qu'est-ce que c'est que ça que c'est? Mais c'est pas possible! Bon, et quand tu vas prendre une bouteille comme ça, tu prends quoi, hein? Un chalumeau! Un chalumeau! Et ça, c'est un chalumeau pour une personne, ça? Oui. Toi, tu vas faire un chalumeau pour toute l'école, ça va? Un chalumeau pour toute l'école. Tu souffles, allez, souffle! Vas-y, encore. Ouais! Ça, c'est un chalumeau, hein? Alors là, on applaudit l'artiste et tu peux retourner à ta place. Merci beaucoup. Ouais, voilà, c'est bon. Aïe. Ça va, vous arrivez à suivre? Ça vous plaît? Vous en voulez encore? On y va. Alors, ça, c'est mon livre préféré. Vous savez qui c'est qui parle là-dedans? Alors, on va regarder. Vous me dites si vous voyez quelque chose. Vous voyez rien? Mais c'est pas possible. Est-ce qu'au fond, vous voyez quelque chose? Ah oui, c'est vrai, il faut regarder la bonne page, c'est à l'évangile. C'est l'histoire de quelqu'un que moi j'aime. C'est l'histoire de qui ça? Vous êtes sûr? De Jésus? Ah, et c'est en quelle couleur? Aïe. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, au petit garçon, au grand garçon, il y a une casquette jaune de venir ici. Pour moi, c'est plus facile. Allez, dépêche-toi, mon grand. Ouais. Il est cool, hein, il a la casquette comme moi. Oh là 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 là. Alors, viens vite, mon grand. Cool, attends. Moi aussi, je vais mettre la casquette. Salut, mon grand. Tu te mets ici, comment tu t'appelles? Comment? Michel, cool. C'est bien. Ça va, la forme? C'est bien, tu as vu les couleurs, hein?
Bon, on a un problème, hein, y a pas de couleur. Tu tiens ça, Junker. Alors, attention. D'abord, on fait un petit peu de magie, poudre magique, pour voir peut-être ça va aider. Ensuite, vous allez choisir une couleur, et puis on va voir ce qui va se passer. Alors, poudre magique, ici. N'utilisez jamais cette poudre, c'est très très dangereux. Surtout, ne mettez jamais une allumette avec. Attention, on est prêts? Fou! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, mais c'est pas possible! Bouge pas. Alors, ici, vous avez des couleurs. Vous choisissez chacun une couleur. Silence! C'est dans le secret du cœur qu'on choisit. Alors, à trois, vous allez dire votre couleur à trois. Un, deux, trois. Eh ben, dis donc. Ils ont dit fort, hein? Est-ce qu'il y a les couleurs maintenant? Tu regardes, Michel? Est-ce qu'il y a les couleurs? Il a dit qu'il y avait les couleurs. Donc j'ai réussi. Merci beaucoup. Non mais attendez, il va contrôler. Est-ce qu'il y a vraiment les couleurs? Il y a les couleurs. Merci beaucoup. Tu connais ça, c'est bien. Vous n'êtes pas content? Vous voulez voir les couleurs? Alors regardez, elles sont là les couleurs. Il n'y a pas de problème. Regardez les couleurs. Regardez, monsieur, dame, les couleurs. Vous voyez les couleurs? Oui. Est-ce que vous voyez bien, là, ça va? Non. C'est pas possible. Attendez, est-ce que vous voyez bien les couleurs? Non. C'est pas possible. Ah, et là, vous voyez les couleurs? Oui. Merci beaucoup. Ici, les enfants. Bonjour monsieur, comment tu t'appelles? Youssef, tu te mets là. Et toi, tu t'appelles comment? Waouh, mais ils ont des beaux prénoms. Alors, vous savez, ce sont deux artistes. Voilà. C'est pas mal. Mets-toi ici, toi. Là. Voilà, on refait, on va voir ça. Là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, 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 non. Toi, tu viens ici. Ah, toi, tu viens là. Voilà. Ça fait garçon, fille, clown, c'est bien. Alors on est prêts? On va essayer d'apprendre une parole qu'il y a dans le livre, dans la Bible. C'est Dieu qui le dit. Attention, regardez bien, ça commence comme ça. Il y a des gestes, vous faites des gestes avec moi. Je t'aime pour toujours. On essaye? Je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. Je suis avec toi tous les jours. On essaie ensemble, les copains. Hein? Je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. Ok. Alors maintenant, je vais demander à toutes les filles qui ont entre 2 ans et 100 ans de se lever. Celles qui ont plus de 100 ans, vous pouvez rester assises. Tous les enfants qui ont entre 2 ans et 100 ans, debout. Les filles seulement. Les filles seulement. Donc, ne sont assis que des garçons. Est-ce qu'il y a des filles qui se sont là? On y va à 3. 1, 2, 3. Je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. Encore une fois. Je t'aime pour toujours, je suis avec toi tous les jours. Assisez-les, les garçons qui se lèvent maintenant. Alors, tu dois les t'asseoir, à tous. Assis là, comme ça, c'est bien. Les gars, vous êtes prêts? Montrez les muscles. Vous êtes prêts? À trois, on y va? Je t'aime pour toujours, je suis avec toi tous les jours. Allez, plus fort. Je t'aime pour toujours, je suis avec toi tous les jours. Tout le monde debout, s'il vous plaît, tout le monde. Attention, d'abord répétition, ensuite
surprise. Répétition. 1, 2, 3. Je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. La surprise. On va crier tellement fort que tout Beyrouth va entendre la parole du Seigneur. On y va à 3. 1, 2, 3. Je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. Et on applaudit le Seigneur. Merci beaucoup. Voilà. Allez. J'aimerais un grand garçon et une grande fille, mais les plus grands là, ceux qui sont tout au fond là. Est-ce qu'il y a une enseignante qui pourrait choisir un garçon et une fille là? Merci beaucoup. Alors musique maître, merci. En attendant que ces jeunes arrivent jusqu'ici. Alors, un garçon bien vite grand. Est-ce qu'elle vous a pris ici? Voilà. Super. Ouais, génial. Un grand et. Non, non, plus grand, petit, on peut les donner. On peut les grands. Viens, hop. Donc, ils sont là déjà. On vient une autre fois, c'est ça. Bonjour, monsieur. Comment s'appelle? Fred, vous êtes ici. Bonjour, mademoiselle. Anna. On les applaudit tous les deux, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Ouais. Alors, je vais vous demander le silence pour ce tour. C'est un tour très compliqué. On a répété très longtemps ce matin. Je me souviens, à 5h du matin, nous avons répété et c'est un trou ici que je mets dedans. Les deux cordes. C'est de la vraie magie, vous savez, c'est très difficile. Je vous passe. J'essaie de récupérer les cordes. Déjà, c'est bon. Vous me donnez chacun une corde, une. Oui. Merci mademoiselle. Monsieur. Mademoiselle. Voilà, on va bloquer ça qu'il nous faut. Voilà. Mademoiselle, le verre, je mets les deux cordes dans le trou. Le 3. Je mets les deux trous dans le doré. Voilà. C'est un petit peu difficile, mais vous devez y arriver. Les deux en même temps, c'est bien. Ah. Alors je vous demande le silence, c'est vraiment pas facile à faire ce tour, c'est très très compliqué. Vous allez voir, c'est formidable. Merci. Merci, vous tenez bien ça, vous. Ça va bien. Alors, et regardez, c'est très joli. Vous voulez lever un petit peu plus haut? Voilà. Pas trop haut, mais juste devant mon ventre, mais pas devant mon village. Oui, d'accord. Alors, allez, attention, tu tiens comme ça, un petit peu plus bas. Voilà. Quand tu le montes, tu le mets ici. Voilà. Alors ça, c'est nous. On est vert parce qu'on grandit toujours. Vous en hauteur, moi en avant. D'accord, ça, c'est nous. Et ça, j'aimerais que ce soit encore plus beau que ça. Ça représente le Seigneur, Dieu. Et entre deux, aïe. Non, c'est pas le diable. C'est toutes les bêtises qu'on peut penser, dire ou faire. Ce que la Bible appelle des péchés. Chaque fois qu'on désobéit au Seigneur, chaque fois qu'on est méchant avec les autres, qu'on critique, quand on bavarde, c'est ça ce qui met une séparation entre nous et puis Dieu. Aïe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire partir tout ça? Couper les cordes? Non! Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on a fait des bêtises, comment on peut se faire pardonner? Dans la valise, hein? C'est une idée, mais ça, la valise est trop petite. Oui, il faut demander pardon à Dieu. Et il y en a, ils vont à l'église. Et puis, ils vont voir Abuna et ils disent « Oh, j'ai fait des bêtises, je veux demander pardon à Dieu. » Alors, je demande pardon et Abuna, il dit quelque chose de formidable. Et il dit « Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Et Dieu pardonne, c'est génial. Mais pourquoi il pardonne? Parce qu'il nous aime, oui, c'est vrai. Mais parce que Jésus,
il est venu sur la terre et il a pris tout ça sur lui quand il est mort sur la croix. Quand il était sur la croix, Jésus a dit des paroles formidables. Une des paroles, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la deuxième qui était terrible, et la dernière, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et il est mort. Maintenant, vous allez tirer sur les cordes. Allez, tirez, tirez très très fort, tirez. Allez, oui, voilà. Oh, qu'est-ce que c'est ça? On ne touche pas, on ne touche pas. C'est trop sale pour toucher ça. Regardez ce qui s'est passé. Monsieur et madame, vous avez le droit d'aller vous asseoir. Merci beaucoup. On vous applaudit. On ne touche pas, père. C'est toutes les méchantes choses qu'on a dites, qu'on a faites ou qu'on a pensées. Et vous savez, il y a toujours quelqu'un, quand Dieu nous a pardonné, qui vient et dit, c'est ça ce que Dieu t'a pardonné. Alors on ne touche pas. Même pas avec les pieds. Alors regardez ce qui se passe là. Il n'y a plus rien qui me sépare du Seigneur. Alors je peux lui parler et il m'écoute. Et si dans mon cœur, je crois que Jésus il est mort pour moi, c'est ce qui se passe. Alors je vais vous demander une petite minute de silence. D'abord vous fermez les yeux. Voilà. Vous mettez les mains ensemble. Moi je veux parler avec Jésus parce que c'est mon meilleur ami. Et il est mort, mais il est revenu à la vie. C'est génial. Alors je vais lui parler. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous répétez. Mais si vous n'êtes pas d'accord, alors vous gardez le silence. Voilà, je parle avec Jésus. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Je suis désolé pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Je te demande pardon. Viens nettoyer mon cœur. Viens dans mon cœur. Je veux être toujours avec toi. Merci Seigneur. Je t'aime Jésus. Et on reste encore tranquille, je voudrais vous proposer quelque chose. Vous avez peut-être à la maison quelqu'un qui est malade. Tétard peut-être, ou quelqu'un d'autre. Peut-être vous, vous avez mal. Vous allez mettre votre main là où ça fait mal. Ici à la tête, au ventre, à la jambe ou à l'épaule. Mettez la main là où ça fait mal. Voilà. Maintenant, on parle avec Jésus. Seigneur Jésus, tu sais tout. Tu sais où ça fait mal. S'il te plaît, Jésus, guéris-nous. Merci Seigneur. Je t'aime très fort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on applaudit Jésus. Ouais. Oh là là. Parce que Jésus, il a dit, je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. Ouais, mais c'est fantastique. Merci beaucoup. Ah là là là.
Celui-là, et mais c'est magique ça, parce que moi quand je le qu'est-ce qui se passe là, tu veux le tenir dans la main comme ça, non tiens le en main, prends le en main, toi tu le prends en main, moi je prends celui-là, alors attends comment ça, oui toi tu tires celui, non c'est sur moi, c'est moi qui tire, ça, voilà, tu es prêt, à tout de suite, hein. Vas-y, tu descends tout doucement, tout doucement, tout doucement, encore. Encore, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Voilà, comme ça, c'est bien. Alors, maintenant, c'est moi qui le fais. Attention, tu lâches, 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 lâches.
ça marche plus, il n'y a plus de magie, là, c'est pas possible. Attends. Tu veux souffler là-dessus? Ah! Mais pourquoi ça ne monte pas ici? Allez, attends, tu veux souffler, toi, là? Wow! Mais c'est fantastique! Alors, on applaudit très fort les deux artistes. Merci beaucoup. Voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors. Je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. J'ai besoin d'un artiste que je vais aller chercher dans la salle. Ah non 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 non. Attention. On va faire de la magie tous les deux, très spécial. J'ai apporté ma baguette magique. Attention. Attention. C'est une baguette très spéciale. D'accord? T'es prêt? Qu'est-ce qui se passe là? Mais... Attends, ça ne marche plus là. Ah là 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 là. Ah mais je sais pourquoi ça ne marche plus. D'abord, il faut que tu dises ton prénom. Anthony. Et vous savez, c'est un artiste, on applaudit. Tu voudrais mettre le bout ici, s'il te plaît. Il est parti en vacances. Tu le mets ici. Voilà. Voilà. Hé, hey, il est parti, je vais le chercher. Qu'est-ce que ça, que c'est? Mais c'est pas possible. Tu le remets comme ça, oui, comme il faut. Voilà. Non. Ici, là, comme ça. Ici, voilà. Bon, je crois qu'elle va pas bien, cette baguette magique. On va prendre une autre. Alors, tu es prêt? Alors, attention. Tu vois ici ces enfants? Tu voudrais les transformer en quoi? Avec la baguette magique, tu peux les transformer en quoi? En crapaud, en chien, en chat, en chameau, en éléphant, en fourmi. En chameau! En chameau! Aïe, aïe, aïe! Alors, c'est pas compliqué. Tu prends la baguette, pas tout de suite. Tu prends la baguette et tu dis chameau! Et tu auras des chameaux partout, d'accord? Et tu prends ma baguette, pas la tienne. Ma baguette, vas-y, prends. T'es prêt? 1, 2, 3, vas-y. Non, c'est ma baguette que tu dois prendre, pas la tête. Mets-la sous le bras, celle-là, sous le bras. Tu mets comme ça, voilà, c'est, voilà. Alors, tu regardes bien le public, tu prends ma baguette et tu dis chameau, hein, on y va à 3. Hop! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Et s'il vous plaît? Et il y a la magie qui est partie en l'air, là. Je peux avoir mon matériel? Merci beaucoup. Ah là là. Aïe, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, mais qu'est-ce que ça que c'est? Oh là 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 là, mais c'est pas possible! Mais comment vous avez fait ça? Il y en a combien là? Il y en a combien? Hein? Il y en a encore une là-là, mais c'est pas possible! Attends, on va compter, mais comment tu as fait ça? Et c'est 1, 2, 4, 12, 5, c'est pas juste? Attendez, on compte. 1, 2, 3, 7, 18 et 20. Oh, oh là là, c'est pas possible. Oh là 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 là. Dis donc, il voulait vous transformer en quoi, ce garçon? C'est gentil. On va le transformer en clown, ouais. Alors, regarde bien, tu te mets comme ça. Je te mets déjà le nez de clown pour aider, d'accord? Voilà, comme ça. Ça va bien comme ça? Alors, vous êtes prêts? À trois, vous dites clown. 1, 2, 3. Et voilà le petit clown. On applaudit les deux artistes, merci beaucoup. Ah là 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 là, merci, oui. Oh là 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 là. Alors, vous en voulez encore? Eh bien, vous avez raison. Aïe, 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 aïe. Alors, je vous ai. Je suis un grand dessinateur. Vous allez voir, c'est formidable. Alors, comme ça. Et on fait comme ça. On fait un œil comme ça. Et un autre œil comme ça. Et puis ici. Voilà. Et tout comme ça. C'est joli.
Ouais, il n'est pas beau. Il a pas d'attendre. Je mets les oreilles un peu. Voilà. Voilà. Il est joli, hein? Il est bien, mon dessin. Vous trouvez qu'il est joli? Il n'est pas beau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a qui va pas? Hein? Et c'est pas possible, je ne peux pas bouger les yeux. C'est un dessin, allez. Vous me racontez n'importe quoi. Mais c'est pas possible. Regardez, il bouge les yeux. Mais si... alors, tu es vivant? Est-ce que tu es vivant? Oui. Ah, il a ouvert la bouche. Mais c'est pas possible! Oui, c'est moi! Comment c'est toi? Comment tu t'appelles? Tony! Tu t'appelles Tony? Vous avez vu, il s'appelle Tony! Mais tais-toi! C'est pas possible ça! Alors on va, vous savez, moi je sais ce qu'il faut faire. Et voilà, comme ça il dira plus rien. Voilà, c'est fini. Ah, ma frère Tony! Quoi? Mais c'est pas possible! Attends. On va tout effacer comme ça. Voilà, comme ça, c'est fini. Oh, c'est sur comme la table, là, vas-y. Oh. Aïe. Je vais vous interpréter un morceau de musique. Aïe. Ça va pas, c'est pas bon. Est-ce que vous pourriez demander la musique à trois? Vous dites musique. 1, 2, 3. Yes. Le Seigneur Dieu, merci. Oui, merci Seigneur, c'est de toi. Et puis un tout petit peu pour Auguste. Oui, merci, amen. Faire des tours juste pour le plaisir. Vous savez, madame, moi j'aime bien les fleurs. Ah, mais l'autre jour, j'ai pris un bouquet de fleurs pour l'apporter à ma femme, mais je l'ai mis sur la moto. Alors quand je suis arrivé à la maison, mon bouquet de fleurs, il était comme ça. Et ma femme, elle m'a dit, oh, c'est joli ton persil, c'est pour la cuisine. Aïe, 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 aïe. Mais vous,
avec vous, on va faire de la magie. Vous allez prendre le grand sac ici doré. Et puis vous, les enfants, vous allez souffler à trois en même temps que la dame, d'accord? Alors, vous êtes prêtes? Je vais plonger ici mon sac comme ça. Et maintenant, vous comptez à trois. Un, deux, trois. Ouais, mais c'est super. Merci beaucoup. Voilà. Un plaisir. Voilà. Youhou. Ah là là là.